Tout a commencé par un savant camouflage. Maintenant, je me dirige vers la classe de Sanji. Mais ce qui ressemblait au rapt parfait... Contrôlez tous les véhicules! Le FBI recherche cet homme. N'était que le premier pas vers le crime parfait. Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne thématique sur YouTube destinée à vous parler de films, de séries et de documentaires. Et c'est toujours un plaisir mes amis de vous retrouver avec moi. Je vais vous parler aujourd'hui d'un film que j'ai vu sur Netflix hier soir, ça s'appelle Le Masque de l'araignée. La date de sortie c'est le 6 avril 2001 aux États-Unis. Le titre original c'est How Long Came Spider. La durée c'est 1h44 avec Morgan Freeman, Michael Vincent, Dylan Baker, Mika Boren, Anton Yelchin, Kean Hodgson, J.O. Sanders et Billy Bark. Et maintenant, voici l'histoire. Dans un pensionnat privé de la capitale, Megan Rose, une brillante élève fille d'une actrice mondialement connue et d'un père sénateur, est enlevée. Tous les indices mènent à Garrison G., son professeur, qui enseigne depuis 2 ans dans l'établissement. L'agent spécial Jesse Flanagan, responsable des services secrets et assigné à la protection de Megan, n'a rien vu venir et sévèrement blâmé par ses supérieurs. Donc, Le Masque de l'araignée, je valide, c'est un bon film, même s'il date de 2001. C'est un petit peu ancien, mais je l'avais pas vu. Donc, j'étais content de le voir hier soir sur Netflix. On est toujours à l'affût d'un bon film. Et justement, Le Masque de l'araignée, c'est un bon thriller. C'est un bon film, donc je valide, j'ai bien aimé. Il y a du rebondissement, il y a de l'action, il y a plein de choses, mes amis. Mais je vous dirai rien parce que vous devez le voir. Voilà, pour tous ceux qui aiment les films genre thriller, action... avec suspense évidemment mes amis, on ne sait pas ce qui va se passer jusqu'à la fin, on ignore en fait qui sont les coupables, enfin on sait qu'il y a un coupable évidemment, mais on ne connaît pas tout mes amis, et on découvre finalement petit à petit, le long du déroulement du film en fait, on découvre tout quoi, et c'est passionnant, voilà c'est passionnant, bon juste ça date de 2001, donc c'est un petit peu ancien, on est en 2022 maintenant, donc évidemment le film a peut-être un peu vieilli, mais il est toujours valable et c'est toujours, ça a été un plaisir en tout cas pour moi de le voir. Je pense que c'est toujours un plaisir, mes amis, de le voir pour ceux qui l'ont jamais vu. Donc c'est toujours un plaisir, même si le film a un petit peu vieilli, comme je l'ai dit. Donc Le Masque d'araignée, je valide, c'est un très bon film et ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée, restez en sécurité, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. Votre fille ne l'intéresse pas. Sanji ne veut aucun mal à Megan. Je pense qu'il rêve de célébrité. Il se sert uniquement d'elle. Sanji vise quelqu'un d'autre.